quoi qu'il en soit, après avoir fait la queue pendant plus d'une heure pour participer à la première mondiale de cet événement, je finis par arriver à la caisse pour acheter mon billet. Et devinez quoi, j'ai oublié mon portefeuille. Je ne vous dis pas la déception. Hé, attendez, on dirait bien qu'on a un déséquilibre de carburant. On a environ 270 kg de moins à gauche, ce qui est étrange car la consommation en carburant était restée équilibrée depuis le décollage. Watt, toi vol 1392, contactez l'approche de Rotterdam sur unité unité 9 décimale 7. World Travel 1392, contactons l'approche de Rotterdam, merci. Centre de Malais, World Travel 1392, stable à 350. World Travel 1392, bien reçu. Ça vient peut-être de la jauge de carburant et non d'un déséquilibre. Ceci dit, étant donné le taux auquel... Faute de régime du moteur unité. C'est le côté où il y a moins de carburant. Débrayez l'automanette et mettez le levier de poussée sur ralenti. Panne du moteur unité. J'appelle l'ADC, réglez le transpondeur sur 7700, puis nous passerons en revue la checklist. Continuez de piloter. Centre de Malais, World Travel 1392, situation d'urgence. World Travel 1392, à vous. Centre de Malais, World Travel 1392, nous avons une panne moteur et probablement une fuite de carburant. Nous n'allons pas pouvoir maintenir le niveau 350, demandons descente immédiate. World Travel 1392, bien reçu. Descendez comme vous l'entendez à 10 000 pieds. Descendons à 10 000 pieds, World Travel 1392. Bon, nous avons une panne moteur du côté gauche. Descendons normalement jusqu'à 10 000 pieds. En cas de fuite de carburant, un redémarrage du moteur pourrait provoquer un départ de feu, et il vaut mieux ne pas prendre de risques. Prêt pour la checklist? Nous y voici. Checklist d'arrêt moteur après panne. Automanette, débrayée. Levier de poussée, au ralenti. Manette de démarrage moteur, coupée. Groupe auxiliaire de puissance, enclenché. Générateur du groupe auxiliaire de puissance, activé. Checklist d'arrêt moteur après panne. Ok, maintenant réfléchissons aux différentes options dont on dispose. On est à environ 90 nautiques au nord de l'aéroport international de Malais. On peut facilement y arriver, à condition que la fuite de carburant n'entraîne pas d'autres problèmes. L'aéroport d'Anima Adou est un peu plus près au nord, mais sa piste est courte, et on s'expose à une sortie de piste si on y tente un atterrissage. À vous de voir, commandant. Vous pouvez virer au sud en direction de Malais ou mettre le cap au nord pour tenter un atterrissage à Nima Adou. World Travel 1392, bien reçu. Dirigez-vous directement sur Nima Adou. Continuez de descendre à 10 000 pieds et utilisez l'écran de navigation pour mettre le cap sur Nima Adou, indicatif VRMH. Moteur 2. Panne de moteur. Ok, on a un sérieux problème. Allumez les signaux des ceintures. Je vais appeler l'ATC. Centre de Malais, World Travel 1392. World Travel 1392, à vous. Centre, World Travel 1392.
Nous avons maintenant deux pannes moteurs, ainsi qu'une probable fuite de carburant, et nous ne voulons pas prendre le risque de les redémarrer. Visiblement, nous commençons à planer. World Travel 1392, bien reçu. Faites au mieux. Indiquez le nombre de passagers à bord. 155 passagers, World Travel 1392. Très bien, commandant. Maintenez unité 909 en descente pour un meilleur planer. Maintenant, occupons-nous de ce moteur. Checklist d'arrêt moteur après panne. Automanette, débrayée. Levier de poussée, au ralenti. Manette de démarrage moteur, coupée. Groupe auxiliaire de puissance, enclenché. Générateur du groupe auxiliaire de puissance, activé. Checklist d'arrêt moteur après panne. J'appelle la cabine. Oui, on a un petit problème. Nos deux moteurs sont en panne à la suite d'une fuite de carburant et nous nous déroutons sur l'aéroport d'Anima Adou. On est à portée en vol plané, alors pas de panique. Je préviens les passagers, merci. Mesdames et messieurs, ici le copilote. À la suite d'un problème lié au circuit de carburant, nos deux moteurs se sont arrêtés. La présence d'une fuite de carburant nous incite à la prudence et nous préférons donc nous dérouter d'urgence sur l'aéroport d'Anima Adou plutôt que de tenter un redémarrage des moteurs. Ce type d'incident est extrêmement rare, mais nous sommes actuellement à portée d'Anima Adou en vol plané. Il fait beau et le contrôle du trafic aérien nous accorde la priorité. Nous devrions nous poser rapidement et sans encombre. Merci de bien vouloir garder votre calme et de suivre les consignes que vous donnera le personnel de bord. Nous vous informerons de la situation lorsque nous approcherons de l'aéroport. Mesdames et messieurs, nous vous demandons maintenant de bien vouloir regagner votre siège, d'attacher votre ceinture et de rester assis pendant toute la durée du vol. En vue de l'atterrissage, le dossier de votre fauteuil et votre tablette doivent maintenant être relevés et verrouillés. Nous allons passer parmi vous pour ramasser tous les ustensiles de table et vous demandons de bien vouloir ranger toutes vos affaires sous votre siège. Dans un instant, nous reverrons ensemble les procédures d'atterrissage d'urgence. Merci de votre coopération. Centre de Malais, Landmark 627 pour annonce, stable au niveau 240. Landmark 627, Centre de Malais, descendez et maintenez 19 000 pieds. Descendons à 19 000 pieds, Landmark 627. Thank you.
1392, rappelez quand vous aurez visuel sur la piste. Avant visuel sur la piste, World Travel 1392. World Travel 1392, vent calme. Vous êtes autorisé à effectuer une approche visuelle d'où vous voulez. L'équipement au sol est en état d'alerte. Contactez la tour d'Anima Adou sur unité, unité 9, décimale, unité. World Travel 1392, contactons l'approche de Malé. Merci de votre aide. Je vous en prie. Bonne chance. Anima Adou, droit devant. Anima Adou, World Travel 1392, en approche visuelle pour la piste 3 avec avarie des deux moteurs. World Travel 1392, bien sûr. Vous êtes numéro 1, piste 3, autorisé atterrissage. Équipement de secours en alerte. Bonne chance, commandant. Merci, nous en aurons besoin. On y est presque. Checklist d'atterrissage. Train d'atterrissage, sorti. Volet sur atterrissage. Checklist atterrissage terminée. Sink rate. World Travel 1392, bienvenue à Anima Adou. L'équipement de secours arrive.